Buenos días, bienvenidos a todos. Como responsable del área de sostenibilidad y medio ambiente de la escuela, me gustaría darles la bienvenida a estas jornadas internacionales sobre transgénicos que se inauguran ahora y que se celebrarán todo el día de hoy y la jornada de mañana. Querría agradecer, a los organizadores de las jornadas que se dirigieron a nosotros para poder realizarlas aquí, junto con Greenpeace, Amigos de la Tierra, Confederación de Consumidores y Usuarios, COAG, Ecologistas en Acción y Plataforma Rural. También me gustaría agradecer la asistencia de los ponentes de primer nivel, tanto internacionales como nacionales, que sin duda darán un alto nivel científico y técnico a las jornadas. Contamos con más de 150 asistentes inscritos que además tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con nuestros alumnos de los programas de medio ambiente que podrán asistir también a las jornadas. De hecho, podrán seguir las jornadas por streaming en directo a través de nuestra web y tenemos también una sala habilitada por si alguien no puede verlo aquí en directo. El aula 02 la tenemos también habilitada para seguirlo en directo. También animamos a seguir la jornada a través de las redes. Desde Twitter tuitearemos con el hashtag JornadasOMG y sin más, confío que las jornadas sean interesantes para todos ustedes y cedo la palabra a Jerónimo Aguado, presidente de la Plataforma Rural, que hará la presentación de las jornadas. Muchas gracias a todos. Bueno, estoy un poco nervioso porque se me ha parado el AVE. Esa tecnología que dice que es perfecta, pues también tiene imperfecciones. Media hora, entonces un poco estresado, ¿no? Bueno, como ella bien ha dicho, soy el presidente de Plataforma Rural y lo más importante es que soy un campesino. Un campesino que me he levantado a las 5 de la mañana para cuidar las ovejas y poder estar aquí con todos vosotros y vosotras, ¿no? Y un campesino preocupado por estos temas, junto con toda la gente que está en la Plataforma Rural y todas las organizaciones. Primero, dos agradecimientos, ¿no? Como Plataforma Rural y como organización coorganizadora de este evento, ¿no? El primer agradecimiento es a la Escuela de Organización Industrial, ¿no? El habernos permitido el poder hacer estas jornadas aquí, ¿no? No siempre tenemos estas oportunidades, de tener un recurso para podernos encontrar. Nos resulta a veces difícil, tenemos mucha dificultad. Entonces, un agradecimiento enorme, por no decir eterno. Y después tengo que hacer un agradecimiento también enorme pues a las organizaciones que están en el marco de la Plataforma Rural, pero que son las que trabajan desde un grupo que tenemos establecido organizado para todo el tema de transgénicos, ¿no? Amigos de la Tierra, CQ, Confederación de Consumidores y Usuarios, COAG, Ecologistas en Acción, ¿no? Y lo mismo a Greenpeace, con el que venimos trabajando de forma aliada desde hace unos cuantos años, ¿no? En la lucha antitransgénica. ¿Cuál es el primer mensaje que quería transmitir? Pues algo tan sencillo. Un campesino que quiere seguir siendo campesino y que queremos que el mundo rural tenga vida y que sigan existiendo los agricultores, pues el primer mensaje es no queremos transgénicos. Nosotros no queremos transgénicos, ese es el primer mensaje. No queremos transgénicos y además dentro del marco de la Plataforma Rural, que es una alianza de productores, consumidores, organizaciones sociales y medioambientales, que apostamos por un mundo rural vivo y por un mundo rural vivo con agricultores y agricultoras, pues uno de nuestros objetivos prioritarios y una de nuestras líneas de actuación prioritaria es la lucha contra los transgénicos. Lleva siendo como un objetivo prioritario. Pero el no queremos transgénicos quede claro. Los transgénicos secuestran nuestro futuro. Así es como lo vivimos y lo sentimos. Que es peor todavía, ¿no? Y representan, además, desde una perspectiva histórica, de lo que se ha hecho con nosotros, con las gentes del campo, representan el estoque final de una muerte anunciada.
Enrique Barón hablaba hace 30 años sobre el final del campesinado. Tenía un libro escrito que le titulaba así. Y mira que hemos peleado para que esto no suceda. No va a suceder, no vamos a desaparecer. Pero si dejamos que los transgénicos sigan campeando a su antojo, sí puede suceder. Para nosotros significa eso. Como ciudadanos y ciudadanas podríamos tener dudas. Puede haber dudas, ¿no? Puede haber dudas sobre los resultados sanitarios, medioambientales, productivos, etc. Pero como campesinos no tenemos ninguna duda. Los transgénicos son la máxima expresión de un modelo muy productivista, muy industrializado, que ha expulsado a la gente del campo, un modelo insostenible que nos obliga a consumir más energía que la que producimos en kilocalorías de alimentos y totalmente dependiente. Y no queremos ser dependientes, queremos ser autónomos, queremos ser independientes. Y para mí, para nosotros, en el debate que hacemos desde el marco de la plataforma rural, lo que más nos preocupa y lo que es más grave es que tras esta tecnología se esconde, desde nuestro punto de vista, una amenaza real sobre el control absoluto de las semillas y la alimentación, por un grupo muy pequeño de corporaciones transnacionales. Y para nosotros esto nos parece muy duro. Y no vamos a permitir que suceda esto. No lo vamos a decir. Queremos seguir siendo campesinos y campesinas. Queremos producir alimentos sanos para las personas y no para mercados que no sabemos quién les controla. No sabemos quién... Bueno, sí lo sabemos. Queremos producir nuestras semillas, las que siempre hemos producido y las que siempre han sido muy productivas, no productivistas, han sido muy productivas, ¿no? Y queremos seguir viviendo los pueblos, porque el medio rural se abandona en la medida que desaparecen los agricultores y las agricultoras. Esto es un dato objetivo que siempre hemos podido demostrar, ¿no? Y además, viviendo en los pueblos es la única forma de mantener nuestras culturas en plural. La biodiversidad solo se puede mantener viva desde el mantenimiento vivo de la diversidad de culturas rurales. Diversidad, miles de culturas, millones, ¿no? Queremos mantener vivos los ecosistemas a la vez que ejercemos nuestra profesión de producir alimentos. Creo, además, que es la mejor forma de mantenerles vivos, ¿no? Y queremos algo muy importante, que es... recuperar la parte de autonomía que hemos perdido a lo largo de toda la historia, de toda la imposición de la revolución verde y ahora de la revolución tecnológica del control de las semillas también, ¿no? Recuperar esa autonomía por la autonomía local, porque además... es lo mismo que defender uno de nuestros máximos anhelos, que es defender la soberanía alimentaria. Para nosotros es nuestro proyecto más inmediato, ser soberanos alimentariamente, como campesinos y como ciudadanos, ¿no? Pero además queremos poner sobre la mesa argumentos científicos. Como dice la convocatoria, disponibles para que la sociedad civil y los responsables políticos escuchen otras voces. Argumentos científicos que a veces a nosotros se nos escapan de las manos. Y por eso quiero agradecer a la comunidad científica que se suma a nuestro carro, ¿no? Y sobre todo desde ese campo que a nosotros muchas veces no podemos controlar, ¿no? Y queremos que estas jornadas, pues como muy bien dice la convocatoria, sirvan para evaluar los riesgos, los verdaderos riesgos de esta tecnología, la biología molecular, la expresión genética, los efectos de los pesticidas y los OMG sobre la salud, los daños ambientales, la investigación participativa, los impactos sociales de la biotecnología, los costes financieros que está teniendo todo esto, y la relación entre microorganismos edáficos y plantas modificadas genéticamente. Todo esto es lo que vamos a debatir en estas jornadas. Yo creo que es una gran oportunidad y sobre todo de encontrarnos gente del campo, personas de la comunidad científica
para valorar si verdaderamente esta tecnología puede estar al servicio del ser humano o en contra del ser humano, que es lo más importante. Y con esto simplemente os animo a participar, a debatir y a profundizar y a conseguir los objetivos que nos proponemos. Y muchas gracias. Muy brevemente, solo reiterar el agradecimiento a todas y todos por venir. Muchas gracias por estar ahí del otro lado también de las pantallas de ordenador. Soy Juan Felipe Carrasco, trabajo para Greenpeace. Somos una de las organizaciones, como habéis visto, que ha organizado esto. Y tengo el honor, el privilegio de presentar al primer ponente de hoy, que es Christian Velo. Christian Velo viene desde Francia, es doctor en biología, profesor de genética molecular en la Universidad de Paris Sud, miembro del Consejo Científico del CRI-GEN, cofundador y vicepresidente de la Red Europea de Científicos ENSER, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Sciences Citoyennes, que significa Ciencias Ciudadanas. Nos va a dar una ponencia sobre qué son los transgénicos y cuáles son las consecuencias sanitarias y ambientales. Christian lleva años trabajando en un modelo de ciencia responsable, de ciencia democrática, en el que las biotecnologías queden acotadas a los ámbitos de confinamiento de los laboratorios y no soltadas en el campo, interaccionando con nuestros alimentos y con los ecosistemas. Por lo tanto, doy paso a Christian. Ok. You hear me? Vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord, je m'excuse de parler en français puisque la majorité de l'assistance est espagnole. Je ne parle malheureusement pas l'espagnol. Je peux comprendre quelques mots simplement. Et en anglais, je pourrais le faire en anglais, mais je voulais être sûr en français d'être en tout cas plus à l'aise pour gérer le temps et pour aborder donc toute cette problématique sur les OGM. Donc je remercie avant tout les organisateurs de ces deux journées. Je suis vraiment très heureux donc qu'ils m'aient invité et qu'ils m'aient permis de participer à ces deux jours de réflexion avec vous tous sur cette problématique qu'est les OGM, qui nous sont souvent présentés comme une simple ou une grande avancée technologique, mais qui sont avant tout, comme la plupart des technologies, la plupart de ce qui sort des laboratoires, ce sont avant tout des choix de société. Je crois que les OGM illustrent parfaitement cette problématique. Voilà, alors j'ai le vilain défaut de parler vite. Je vais essayer de me contrôler pour que les traducteurs ne pas rendre le travail des traducteurs, que je remercie au passage, trop difficile. Voilà, donc je vais essayer d'aller doucement, c'est contre nature chez moi, mais voilà, si jamais je vais trop vite et vous sentez que les traducteurs ont du mal à suivre, faites-moi des signes dans la salle pour que je puisse ralentir le rythme. Alors, les OGM, je crois que vous en avez tous beaucoup entendu parler depuis le début des années 90, c'est-à-dire depuis une grosse vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis qu'ils ont été introduits dans le monde agroalimentaire. Mais il faut savoir, et c'est extrêmement important, que les OGM ne sont pas réservés au monde agricole. Les OGM sont utilisés depuis 35 ans dans les laboratoires, au service des chercheurs. La technologie OGM est avant tout un outil au service de la recherche. Et ce n'est qu'ensuite que cette technologie a été déclinée dans différents domaines d'utilisation et d'application, notamment le domaine médical et pharmaceutique, j'en parlerai, depuis le début des années 80, et puis donc plus récemment, le domaine agricole, depuis le début des années 90. Donc, ce qui veut dire que les OGM ont multiples facettes, multiples domaines d'utilisation et d'application. Et ce sont ces multiples facettes, ces multiples domaines, que j'ai représentés là de manière un peu caricaturale et provocante, à savoir, est-ce que les OGM sont des organismes géniaux et merveilleux, ou encore des organismes génétiquement monstrueux, ou des outils génétiques de marketing? On peut imaginer bien d'autres termes derrière les trois lettres OGM. Ce que je veux montrer par là, et ça n'engage que moi, c'est que les OGM pris dans leur globalité, c'est un petit peu tout ça à la fois. Tout dépend de ce qu'on en fait, tout dépend du domaine d'utilisation et d'application,
Et tout dépend, bien sûr, de la sensibilité personnelle de chacun d'entre vous, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue religieux, etc., etc. Et donc, par exemple, je suis moi-même, bien sûr, en tant que généticien moléculaire, utilisateur de la technologie OGM, puisque je fais de la recherche fondamentale à l'université. Je travaille personnellement sur un champignon microscopique du sol. Et dans le cadre de mon activité de recherche, comme tous mes collègues de ma discipline, c'est-à-dire de la génétique moléculaire, eh bien, je suis utilisateur de cette technologie, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, c'est important un petit peu de séparer les différents domaines, et c'est ce que je vais faire ici dans ma conférence, parce que même si nous sommes là pendant 2 jours pour parler plus précisément des OGM agricoles, il est important de savoir ce qu'on fait avec les OGM dans les autres domaines, pour bien comprendre en quoi les OGM agricoles sont différents et en quoi ils posent des questions nouvelles et en quoi ils révèlent des risques nouveaux par rapport aux OGM utilisés depuis 35 ans dans les laboratoires, dans le domaine de la recherche fondamentale, dans le domaine médical, etc. Il y a une grosse différence et je crois que c'est extrêmement important. Vous savez, en France, j'ai participé à un certain nombre de débats télévisés ou d'autres débats que j'ai regardés simplement chez moi depuis mon canapé. Et très souvent, au début de l'émission télévisée, je ne sais pas, j'imagine que c'est pareil ici, vous avez un mini-film qui a la prétention d'expliquer au plus grand nombre, au grand public, ce que sont les OGM. Et en général, ce mini-film se résume par un sandwich avec une couche de médicaments entre 2 feuilles de maïs. C'est-à-dire qu'on fait un superbe amalgame entre tous les OGM. Et cet amalgame n'est pas anodin. C'est tout à fait volontaire dans le but d'utiliser la vitrine médicale pour servir des arguments agricoles. Et ça, c'est extrêmement malhonnête. C'est extrêmement malhonnête parce que vous allez voir que vous soyez pour tous les OGM, contre tous les OGM, pour certains OGM et contre d'autres OGM, les arguments que vous serez amenés à déployer vous-même dans une réunion de famille, avec des amis, autour d'un apéritif, eh bien, ces arguments ne seront pas les mêmes en fonction des OGM dont vous parlez, parce que les problèmes posés par les OGM ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on en fait. Et donc le sens de mon propos, ça va être d'essayer de vous montrer en quoi l'introduction des OGM dans le monde agricole soulève des questions nouvelles et introduit des risques nouveaux pour ne pas tomber dans cet amalgame. Alors je vais donc vous donner des exemples concrets de l'utilisation des OGM dans les différents domaines d'utilisation et d'application. Mais avant cela, je vais peut-être redéfinir ce qu'est un OGM. Probablement que la plupart d'entre vous dans la salle le savent déjà, mais j'ai le vilain défaut en tant qu'enseignant de toujours rappeler que la reine d'Angleterre est une femme. Je pense que c'est utile de redire les choses, même si ça paraît a priori évident. Et donc je vais vous redonner cette définition. Et vous savez, le problème des définitions, c'est comme quand on va chercher un mot qu'on ne comprend pas dans le dictionnaire, il est souvent expliqué par d'autres mots qu'on ne comprend pas. Et du coup, on va chercher un petit peu plus loin, et c'est comme ça que l'on s'enrichit. Eh bien, c'est un petit peu le sentiment peut-être que vous allez avoir ici, parce que pour définir un OGM, je vais être amené à utiliser des termes avec lesquels vous n'êtes peut-être pas beaucoup plus familier. Et c'est la raison pour laquelle je vais ensuite vous donner un certain nombre de notions de biologie de base qui vont vous permettre de comprendre sur quoi repose la possibilité pour l'homme, le chercheur en particulier, l'homme au sens de l'espèce bien sûr, de fabriquer ces fameuses OGM. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, ça va être extrêmement vulgarisé, extrêmement simplifié. Je vais essayer de rendre la chose la plus ludique possible. Ce sera néanmoins pendant une 15aine de minutes un petit peu technique. Autant je pense qu'on n'a pas besoin, et fort heureusement, d'être un biologiste averti pour avoir un avis sur les OGM, autant je pense qu'on ne peut pas non plus faire totalement l'économie de l'aspect technique, parce que c'est en faisant totalement l'économie de l'aspect technique qu'on se laisse dire tout et n'importe quoi et que certaines personnes en profitent pour rouler les gens dans la farine à travers des amalgames fallacieux. Voilà pourquoi je vais vous enquiquiner pendant ces 15aines de minutes, mais c'est au début et après ce sera plus cool. Voilà. Alors, la définition d'un OGM, je vais vous donner la définition officielle, la définition académique,
celle qui est retenue par tous les grands organismes de recherche et qui est retenue par les instances, notamment les instances européennes, qui consiste à dire qu'un OGM, là aussi je m'excuse, c'est écrit en français, j'aurais pu au moins l'écrire en anglais, j'en ai pas eu le temps, j'en suis désolé, mais je pense qu'avec la traduction, je fais confiance aux traducteurs pour faire en sorte que ce soit compréhensible sous tous les aspects. Donc un organisme génétiquement modifié, un OGM, c'est donc un organisme vivant. Alors quand on dit organisme vivant, on pense tout de suite à un animal, mais ça peut être un végétal, un microbe, un champignon, etc. Tout organisme vivant dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, ses caractéristiques génétiques initiales. Et comment a-t-on modifié les caractéristiques génétiques de cet organisme ? Soit parce qu'on lui a introduit des gènes étrangers dedans, par exemple un gène de bactérie dans le maïs, on y reviendra longuement tout à l'heure, soit parce qu'on a supprimé des gènes de cet organisme, soit parce qu'on a modifié, substitué des gènes par d'autres, etc., etc. Ça, c'est la définition académique qui englobe tous les OGM, quels qu'ils soient, et quel que soit leur domaine d'utilisation et d'application. Ça vaut pour la recherche fondamentale, ça vaut pour le domaine médical, ça vaut pour le domaine agroalimentaire. C'est la définition académique. Il y a une seconde définition en dessous qui n'est pas fausse, mais qui est plus restrictive, c'est-à-dire qui ne concerne que certains OGM, et qui est en général la définition à laquelle on se réfère en matière d'OGM agricole, parce que la quasi-totalité des OGM agricoles dont il est question aujourd'hui répondent à cette seconde définition qui consiste à dire qu'un OGM est toujours un organisme vivant dans lequel on a introduit toujours de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, au moins un gène qui ne lui appartient pas. Je vous le disais, par exemple, un gène de bactérie dans le maïs est un OGM. Un gène de bactérie dans l'éléphant est un OGM. Un gène humain dans une bactérie, je vais vous donner un exemple concret de cela dans un instant, la bactérie est un OGM, etc., etc. Et ces OGM particuliers, dans lesquels on a mis des gènes étrangers, on les appelle des organismes transgéniques, parce que le gène étranger, par exemple le gène de bactérie dans le maïs, c'est ce qu'on appelle un transgène, et la transgenèse, c'est l'ensemble des processus qui permettent de fabriquer les organismes transgéniques. Alors, tous les organismes transgéniques sont des OGM, mais tous les OGM ne sont pas transgéniques. Si, par exemple, j'inactive un gène dans un organisme, je vais également vous donner un exemple de cela dans un instant, ça veut dire que j'ai modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales de l'organisme par suppression d'un gène, sans pour autant avoir mis un gène étranger dedans. Donc, il est OGM sans être transgénique. Donc, ce qui veut dire que la définition du bas est incluse dans celle du haut. Alors, vous voyez que dans ma définition d'OGM, j'ai parlé de gène. Oui, mais c'est quoi un gène? C'est la fameuse cascade de mon dictionnaire dont je parlais il y a un instant. Alors, je ne vais pas vous donner une définition du gène littérale comme ceci. J'en serais assez incapable d'ailleurs, parce qu'il y a à peu près autant de définitions du gène que de chercheurs en biologie, parce que la notion de gène est une notion relativement floue et précaire, qui est sans arrêt remise en question par des connaissances nouvelles qui s'accumulent. Donc, plutôt que de vous donner ce type de définition, parce qu'on est quand même des définitions, aussi simplistes soient-elles, il faut bien que nous communiquions avec nos étudiants, avec nos collègues chercheurs, mais c'est là que je préfère vous donner des notions de biologie de base pour comprendre sur quoi repose la possibilité pour nous chercheurs de fabriquer ces OGM, et en particulier les organismes transgéniques. Alors, il faut savoir que nous sommes tous les êtres vivants constitués de cellules. La cellule est un petit peu d'ailleurs l'unité de la vie, puisque certains organismes vivants ne sont constitués que d'une seule cellule, c'est ce qu'on appelle les organismes unicellulaires ou monocellulaires, comme les bactéries, les levures, les algues unicellulaires, etc., etc. Et puis vous avez des organismes beaucoup plus complexes, comme nous les humains, les animaux en général, les végétaux, qui sont constitués de milliards de cellules. Nous, par exemple, on a des cellules du cerveau, des cellules du cœur, des cellules du foie, des cellules du rein, des cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, des cellules osseuses. Fossifères, c'est comme ça. On est un tas de cellules, et tout fonctionne en harmonie pour faire un organisme entier. Chez la plante, c'est pareil. Cellules des racines, cellules des feuilles, cellules de la tige, et tout cela fait un organisme entier. Bien sûr, ces cellules n'ont pas les mêmes spécialités. Une cellule du cœur
n'a pas les mêmes spécialités qu'une cellule du foie ou du rein. De la même manière, une cellule de la tige ne fait pas les mêmes choses qu'une cellule de la racine ou de la feuille. Néanmoins, toutes ces cellules, qu'elles soient animales, végétales, voire microbiennes, elles ont des caractéristiques communes. Et ce sont à ces caractéristiques communes que je vais m'intéresser maintenant. On va imaginer, pour faire simple, que la cellule a la forme d'un ballon de rugby. Ce n'est pas le cas de toutes les cellules, il y a des cellules qui ont des formes très bizarroïdes, très bizarres, mais ce n'est pas grave pour mon propos. On va imaginer un ballon de rugby que l'on va couper longitudinalement pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'une cellule, c'est un sac avec un liquide dedans ou une matière homogène quelconque. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. La cellule est une véritable usine. D'ailleurs, tout au long de mon propos, je vais souvent faire allusion à la notion d'usine cellulaire. Vous imaginez une usine dans laquelle il y a plein de pièces séparées les unes des autres par des cloisons, par des murs, avec des portes qui permettent de rentrer d'une pièce, de sortir d'une autre, etc., etc. Eh bien, c'est très dynamique. Eh bien, c'est ça, la cellule. Vous avez plein de compartiments. Mon schéma ici est extrêmement simplifié par rapport à la réalité. Vous avez des vésicules, des tubules. Tout ça, c'est limité par des murs, des cloisons, les petits traits noirs qui sont là avec le mur extérieur de l'usine qui est ici. Voilà, c'est une véritable usine avec plein de choses qui se passent à l'intérieur, des choses très dynamiques. Et puis, il y a à l'intérieur de cette usine un compartiment particulier, peut-être un peu plus gros que les autres, qu'on appelle le noyau. Et si on regarde d'un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur du noyau, on y trouve de très grosses molécules, extrêmement compactées pour qu'elles puissent rentrer dans ce noyau. Et ces grosses molécules, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les chromosomes. Alors les chromosomes, on en a tous un nombre bien défini. Nous les humains, nous avons dans chacune de nos milliards de cellules 23 chromosomes différents. Ils sont tous en double, ça fait 46. Sauf dans nos spermatozoïdes et dans les ovules, où il n'y a que 23 et 23, et quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ça fait 23 plus 23, 46, et c'est reparti pour un tour. Moi, je travaille, j'ai beaucoup travaillé sur la levure de boulanger, qu'en a 16, je travaille sur un champignon microscopique du sol, qu'en a 8, le lapin en a 23, le cochon, je ne sais plus, le maïs, je ne sais plus, le blé non plus, peu importe. Chaque espèce vivante a un nombre bien défini de chromosomes. Maintenant, si on regarde à quoi ça ressemble les chromosomes, si on va dans le noyau chercher ces molécules qui sont très compactées et qu'on leur donne un petit peu d'air pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, eh bien voilà à quoi ça ressemble un chromosome. Vous avez la molécule, très compactée ici, et puis là, on a la molécule est débobinée et ça fait deux brins parallèles entourés autour d'un axe pour faire une double hélice. C'est la fameuse double hélice d'ADN, l'ADN étant l'acronyme du constituant chimique des chromosomes. Alors c'est comme un escalier en colimaçon, comme les deux montants d'un escalier en colimaçon. Alors, double hélice d'ADN dont vous avez, j'en suis sûr, déjà certainement entendu parler. Chacun des deux brins de cette double hélice est constitué par l'enchaînement à la queue-leu-leu de quatre molécules plus petites que l'on symbolise par leurs initiales respectives A, G, C, T. Et c'est l'enchaînement de ces quatre molécules AGCT à la queue-leu-leu qui va constituer chacun des deux brins marrons de la double hélice. Et donc, quand on dit qu'on va séquencer un chromosome ou séquencer une molécule d'ADN, ça veut dire qu'on va déterminer tout le long de la molécule l'ordre de succession des quatre lettres. Je vous donne un exemple ici. On a séquencé cette double hélice et on a AGGTCT, ATG, ATG, TTT, CAG. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles, c'est ce qui explique qu'avec les empreintes génétiques, c'est aussi d'actualité, les empreintes génétiques, on soit capable d'identifier un individu parmi les 7 milliards de la planète. Les empreintes génétiques, c'est l'ordre de succession des quatre lettres sur différentes portions de nos 23 chromosomes différents. Les seuls individus qui ont exactement les mêmes empreintes génétiques, c'est-à-dire exactement le même ordre de succession des quatre lettres tout le long de leurs 23 chromosomes, sont en fait les vrais jumeaux, qui sont en quelque sorte des clones naturels. Alors, des clones étant définis comme des organismes qui ont exactement le même patrimoine génétique. Alors, quand on dit qu'on a séquencé un génome, le génome c'est l'ensemble des chromosomes d'un organisme vivant, donc le génome humain par exemple c'est les 23 chromosomes humains différents, le génome humain a été séquencé, ça s'est fait sur plusieurs années, ça s'est terminé en 2003, ça veut dire qu'on a déterminé l'ordre de succession des quatre lettres
tout le long des 23 chromosomes humains différents. Ça représente pour le génome humain 100 livres, format A4, 100 pages chacun, caractère 12. Vous imaginez le nombre de lettres. Et je dis bien, on a séquencé le génome, et non pas comme on nous rebat les oreilles dans les émissions de télévision très souvent, où on nous dit, on a décrypté le génome. Non, on en est à des années-lumière. On n'a pas décrypté le génome humain, on l'a séquencé. On aura décrypté, et c'est vrai pour tous les autres génomes que l'on a séquencés, nous l'aurons décrypté le jour où nous aurons compris toute la signification biologique qui se cache derrière cette succession de 4 lettres AGCT et qui permet à nos usines cellulaires de fonctionner. On en est à des années-lumière. On n'a décrypté que des tout petits bouts. C'est-à-dire qu'on a identifié des petits morceaux de chromosomes, des petits morceaux de séquences en 4 lettres AGCT, pour lesquels on a pu mettre en évidence une ou quelques fonctions biologiques qui se cachent derrière et qui permettent à nos usines cellulaires de fonctionner. Et ces quelques fonctions, ces quelques séquences pour lesquelles on a pu mettre en évidence une ou quelques fonctions biologiques, eh bien c'est ce qu'on appelle des gènes. Alors comment on les identifie, les gènes? Il y a des méthodes expérimentales, je passe les détails, il y a des méthodes informatiques, quand vous avez accès à tout le livre génétique d'un organisme vivant comme l'humain, eh bien les 100 livres format A4, 100 pages chacun, vous donnez ça à un logiciel qui va mouliner, et qui va chercher, d'après la définition qu'on a bien voulu lui donner du gène, eh bien, où est-ce qu'il pourrait y avoir des gènes. Par exemple, on va dire à notre logiciel informatique, d'après ce que nous connaissons des gènes aujourd'hui, ce qui est extrêmement réducteur, un gène commence toujours par ATG, se termine souvent par TAA, avec par exemple un multiple de 3 entre les deux. Et à ce moment-là, le logiciel va mouliner, va chercher, et va dire, eh bien là, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble être à ce que vous m'avez dit être un gène. Après, à nous, chercheurs, d'essayer de comprendre là où les fonctions biologiques qui se cachent derrière et qui permettent à nos usines de fonctionner. Je dis là où les fonctions, en général, derrière un gène, il y a une soupe de fonctions, une multitude de fonctions. Mais quand on en a trouvé une, on est tellement content qu'on dit on a la fonction du gène. Ça aussi, c'est très réducteur. Et si je vous dis tout ça, ce n'est pas par hasard, parce que ça a des conséquences pour la technologie OGM dont on va parler dans un instant. Alors, pour résumer tout ça, nous pourrions dire que le génome, l'ensemble des chromosomes d'un organisme vivant, c'est une encyclopédie où chaque chromosome est un volume de cette encyclopédie. Donc, dans l'encyclopédie humaine, il y a 23 volumes puisqu'il y a 23 chromosomes différents. Dans chaque volume, il y a des phrases, ce sont les gènes, et le tout est écrit dans un alphabet de 4 lettres, AGCT, c'est le langage génétique. Alors quand je dis que les gènes détiennent une information biologique qui permet aux cellules de fonctionner, c'est quoi cette information biologique? Eh bien, pour l'essentiel de ce que nous connaissons des gènes aujourd'hui, je dis bien pour l'essentiel, et ce n'est loin d'être exhaustif, et c'est loin d'être le cas pour tous les gènes, mais pour l'essentiel de ce que nous en connaissons aujourd'hui, parce que nous connaissons finalement très peu de choses, même si les connaissances s'accumulent à une certaine vitesse, nous connaissons que très peu de choses sur le fonctionnement du vivant, et il y a aujourd'hui des tas d'exemples de découvertes qui remettent complètement en cause des dogmes de la biologie, hein, et des dogmes sur lesquels s'appuie pourtant la technologie OGM. Alors, l'essentiel des gènes que nous connaissons aujourd'hui détiennent le secret de fabrication des protéines. Oui, mais c'est quoi les protéines? Toujours la cascade de mon dictionnaire. Je vous rassure, ça va s'arrêter à un moment donné. Les protéines, c'est quoi? Vous imaginez des colliers de perles. Un grand fil sur lequel on va enfiler des perles. Et les perles, elles sont au nombre de 20. Vous imaginez des perles de 20 couleurs différentes. Et pour fabriquer la protéine, on va mettre une perle verte, une perle noire, une perle bleue, une perle rouge, une perle blanche, une perle blanche, une perle verte. Et qu'est-ce qui va déterminer l'ordre de la succession de la couleur des perles sur le fil? C'est l'ordre de succession des 4 lettres dans le gène. Imaginons par exemple qu'à un moment donné, cette usine cellulaire a besoin de fabriquer cette protéine pour faire une opération particulière dans l'usine. Il y a toute une machinerie qui se met en route, qui va aller chercher dans le noyau, sur le bon chromosome, le gène qui détient le secret de fabrication de cette protéine, et cette machinerie va décoder le gène. Et elle va dire, ATG,
on met une perle verte. TTT, on met une perle rouge. CAG, on met une perle bleue, etc., etc. Les lettres dans le gène sont lues 3 par 3. C'est-à-dire que tous les mots dans le langage génétique font tous la même taille et font tous 3 lettres. Ce qui fait 64 mots possibles pour déterminer 20 couleurs de perles, parce qu'il y a plusieurs mots pour les mêmes perles, etc., etc. Et donc, quand on passe du gène à la protéine, on passe d'un langage génétique en 4 lettres AGCT à un langage protéique en 20 lettres, les 20 couleurs de perles. Et d'ailleurs, ça s'appelle la traduction. Ce n'est pas un terme de vulgarisation que j'utilise pour la circonstance aujourd'hui, c'est le véritable terme utilisé en biologie. On dit que les cellules traduisent les gènes en protéines. Alors maintenant, pour en terminer avec cet aspect un petit peu technique et pour boucler la boucle, eh bien, à quoi ça sert les protéines dans l'usine cellulaire? Les protéines, ça sert à 2 types de choses essentiellement. Les protéines ont un rôle de structure. Je vous ai dit que la cellule était une usine avec des pièces séparées les unes des autres par des murs, des cloisons. Eh bien, ces cloisons, ces murs, c'est ce que nous appelons dans notre jargon de biologiste des membranes. Ces membranes sont faites essentiellement de graisse, de lipides, mais également de protéines. C'est-à-dire que les protéines sont certains parpaings, certaines briques des murs de l'usine, un rôle de structure. Mais également, à l'intérieur de nos usines cellulaires, nous avons tout un tas de réactions chimiques, des millions de réactions chimiques qui se produisent. On ne s'en rend pas compte là, mais ça travaille très très dur là-dedans. Et toutes ces réactions chimiques, que l'on appelle des réactions biochimiques, sont catalysées par des catalyseurs biologiques, dont vous avez tous entendu parler. Ce sont les enzymes. Et les enzymes, ce sont des protéines. À la surface des cellules, nous avons des grosses molécules que je n'ai pas représentées ici, qui permettent aux cellules de ressentir la présence de sucre, de ressentir la présence de sel, qui permettent aux cellules de faire rentrer ce sucre, de faire sortir ce sel, etc., etc. Eh bien, ces récepteurs, ces transporteurs, ce sont des protéines. Chez des organismes complexes comme nous, nous avons des organes comme le pancréas, qui sécrètent des hormones, qui passent dans le sang pour agir à distance. Ces hormones, pas toutes les hormones, mais beaucoup d'hormones, sont des protéines. Donc les protéines sont véritablement les ouvriers qui font tourner l'usine cellulaire. Donc pour résumer tout ça, on pourrait dire encore une fois qu'un organisme vivant, c'est une usine s'il est unicellulaire, des milliards d'usines empilées les unes sur les autres pour des organismes complexes comme nous, les animaux en général, les plantes, etc. Dans chacune de ces usines, il y a des chaînes de montage et de démontage, ce sont les processus biologiques. Sur ces chaînes de montage et de démontage travaillent des ouvriers, ce sont les protéines. Le secret de fabrication des ouvriers est contenu dans les gènes, qui eux-mêmes sont dans les chromosomes, qui eux-mêmes sont enfermés dans une pièce de l'usine qui s'appelle le noyau. Voilà comment on peut succinctement, très succinctement, résumer le fonctionnement du vivant, ou en tout cas, ce dont on en a besoin pour parler des OGM, et en particulier des organismes transgéniques. Alors avant de vous dire pourquoi je vous ai raconté tout cela pour parler des OGM, j'aimerais, si vous me le permettez, faire une petite parenthèse pour la raison suivante. J'ai utilisé une métaphore, la cellule est une usine, les protéines sont des ouvriers de l'usine, et les métaphores, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de rendre plus simple des choses compliquées, ça permet de rendre plus palpables des choses abstraites, mais les métaphores peuvent être dangereuses si on les extrapole de manière abusive. Et on peut leur faire dire des choses erronées. Et ça m'est arrivé, des choses erronées notamment, et que ne pense pas la personne qui a fait cette métaphore, moi en l'occurrence aujourd'hui. Cela m'est arrivé, c'est pour ça que je tiens à corriger le tir, parce que ça a des conséquences directement sur la discussion, sur le débat sur les OGM. Quelqu'un, un jour, après une conférence comme celle-ci, vient me voir et me dit « Monsieur Vélo, vous nous avez dit que les cellules étaient des usines et que les protéines étaient les ouvriers de l'usine. Mais nous pourrions aller plus loin dans l'analogie, dans la métaphore. Comme les gènes détiennent le secret de fabrication des protéines, eh bien on pourrait dire que les gènes, c'est le personnel dirigeant de l'entreprise qui donne les ordres aux ouvriers. » Et là, je me suis senti très mal. Parce que c'est tout ce que je conteste, et notamment pour la problématique dont on débat aujourd'hui, qui est celle des OGM. Pourquoi ? Eh bien, vous savez que, d'abord, cette histoire de gènes tout-puissants,
de gènes qui seraient les chefs d'orchestre du vivant, hein, des molécules qui donnent des ordres aux autres molécules, donc une sorte de hiérarchie des molécules, ça n'existe pas dans le vivant. Les gènes, c'est important, mais tout est important et tout interagit. Quand une cellule se divise pour en donner deux, il faut qu'elle fasse des nouveaux chromosomes pour que les deux cellules filles récupèrent le même nombre de chromosomes. Une cellule humaine va devoir fabriquer 92 chromosomes, 2 fois 46, pour que ces deux cellules filles récupèrent 46 et 46. Et pour fabriquer des nouveaux chromosomes, il faut des protéines. Donc tout est imbriqué, tout est lié. Simplement, quand on entretient cette notion de gène tout-puissant, d'idée selon laquelle les êtres vivants seraient uniquement à l'image de leurs gènes, on est dans le réductionnisme absolu. Parce que nous ne sommes pas uniquement à l'image de nos gènes. Si on compare le génome humain au génome du chimpanzé, il se ressemble à plus de 95%. Et en général, la ressemblance en biologie traduit une interfécondabilité. Eh bien, essayez de faire un enfant avec un chimpanzé, vous allez vous faire griffer, c'est tout ce qui va arriver. Donc il ne suffit pas que les gènes se ressemblent pour que les organismes fonctionnent de la même manière et se ressemblent. Il y a bien sûr une part de ressemblance entre le chimpanzé et nous. Mais qui ne peut pas, toutes les différences entre le chimpanzé et nous ne peuvent pas s'expliquer par la toute petite différence qu'il y a au niveau des gènes. Et puis, l'environnement agit sur nos gènes. Quelqu'un qui grandit à Tchernobyl n'a pas exactement la même espérance de vie que quelqu'un qui grandit sur la Plaza Mayor à Madrid. Donc, effectivement, parce qu'on n'est pas exposé au même risque environnemental, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement important de contrecarrer cette idée selon laquelle les gènes seraient tout-puissants. Et ça a une conséquence très grave en politique de recherche. Ce n'est pas seulement le cas en France et en Europe ou en Espagne, c'est le cas dans beaucoup de pays. Vous savez que depuis 30 ans, 40 ans, les gouvernements successifs financent de moins en moins la recherche publique, ce qui laisse d'une part de plus en plus importante au monde, à l'industrie, au privé. Le problème, c'est que l'industrie, et c'est normal, a besoin de retours sur investissement, et si possible, le plus rapide possible. Et pour assurer ces retours sur investissement, elle protège son activité en déposant des brevets. Mais quand l'activité s'appelle la biologie, le brevet s'appelle un brevet sur le vivant. Or, le vivant n'a pas été inventé par l'homme, il existait bien avant lui. Pourquoi aurait-on le droit de breveter le vivant ? Eh bien, on a le droit de breveter le vivant si on apporte une soi-disant plus-value au vivant. Et comment fait-on pour apporter cette prétendue plus-value ? Eh bien, en travaillant sur les molécules considérées comme les chefs d'orchestre du vivant, c'est-à-dire les gènes. Parce que si vous agissez sur les gènes, vous agissez sur le chef d'orchestre. Si vous agissez sur le chef d'orchestre, vous changez la musique, vous changez la partition, et vous devenez propriétaire de la nouvelle musique et de la nouvelle partition. Et ce n'est pas un hasard s'il suffit de modifier un gène dans une plante pour non pas être propriétaire seulement du gène modifié, mais de la plante entière. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est directement lié, bien sûr, à la problématique OGM. Moi qui vous parle, on m'appelle en général un biologiste moléculaire, comme tous les gens de ma discipline. Ça veut dire quoi, biologie moléculaire ? Ça veut dire faire de la biologie à l'échelle moléculaire ? Ça ne devrait pas préjuger des molécules sur lesquelles on travaille. Eh bien, si. Biologiste moléculaire, quand vous dites ça à des étudiants à la fac, ils pensent tout de suite à ADN. Quand on vous dit Sofitel, vous pensez DSK. Eh bien là, c'est la même association d'idées. On dit biologie moléculaire, ADN. Mes collègues qui travaillent sur les protéines, là, font de la biologie moléculaire. Mais ce ne sont pas des biologistes moléculaires. Ce sont des biochimistes, ce sont des ringards. Moi, je ne suis pas un ringard. Je travaille sur des molécules nobles, l'ADN. Mais ça, si je dis ça, ce n'est pas seulement un problème de sémantique. C'est que derrière la notion de moléculaire, il y a la notion de puissance. On agit sur les molécules. Il y a la notion d'interventionnisme. Et ce n'est pas un hasard si cette notion de puissance et d'interventionnisme est réservée aux seuls biologistes qui travaillent sur l'ADN. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que toutes les biotechnologies découlent de cela. Alors, avant de vous dire pourquoi... évidemment, je suis très embêté avec ma métaphore, du coup. Mais comme j'aime beaucoup les métaphores et qu'il n'y a pas de hiérarchie des molécules et que j'aimerais dire quand même que ma cellule est une usine et que les protéines sont les ouvriers de l'usine, on va dire que mon entreprise cellulaire est une coopérative ouvrière. Voilà comment je peux m'en sortir. Alors,
Pourquoi je vous raconte tout ça pour vous parler des OGM? C'est tout simplement parce que le langage génétique en quatre lettres, AGCT, est universel dans tout le monde du vivant connu à ce jour, à quelques rares exceptions près. Quand je dis tout le monde du vivant connu à ce jour, c'est parce qu'on est loin de connaître tout le monde vivant qu'il y a sur la planète. Mais tous les organismes vivants que nous connaissons aujourd'hui ont le même langage génétique en quatre lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les usines cellulaires de l'éléphant ouvrent le livre génétique de la bactérie, non seulement elles peuvent le lire, mais le décrypter. Pas l'éléphant, ses usines cellulaires. Nos usines cellulaires humaines peuvent lire et décrypter le livre génétique de tout autre organisme vivant. Pas nous les humains, nos usines cellulaires. Et c'est vrai de tout organisme vers tout autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un gène de bactéries et que je le mets dans le maïs, ce n'est pas un hasard si je prends cet exemple-là. C'est le cas du maïs Monsanto 810 qui fait l'actualité en Europe et en Espagne en particulier. Eh bien, ça veut dire que, mais c'est vrai de tout organisme vers tout autre, ça veut dire que puisque le langage génétique est universel, le maïs va prendre le gène de bactéries à son propre compte, le décoder et fabriquer lui-même là où les protéines de bactéries. Autrement dit, quand je mets un gène de bactéries dans le maïs, j'introduis un ou plusieurs ouvriers de l'usine cellulaire bactérienne dans l'usine cellulaire végétale du maïs. Et si je mets des nouveaux ouvriers dans l'usine, ce n'est pas pour qu'ils regardent les autres travailler, c'est pour travailler eux-mêmes. Ils vont participer à des nouvelles chaînes de montage et de démontage dans les usines de maïs. Ces chaînes de montage et de démontage, normalement, n'existent pas dans le maïs, puisque les ouvriers, normalement, ne sont pas là. Et donc, ces nouvelles chaînes de montage et de démontage vont conférer au maïs des nouvelles propriétés. Il sera alors un maïs génétiquement modifié, et dans mon exemple, un maïs transgénique, parce que la modification génétique fait appel à un gène étranger, qui dans mon exemple, provient de la bactérie. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais c'est très bêta comme technologie. Il suffit de prendre un gène de n'importe quoi, le mettre dans n'importe quoi, et ça va marcher. Quand je dis que ça va marcher, entendons-nous bien. Je veux dire par là qu'on va être capable de faire fabriquer par l'organisme receveur les protéines codées par le gène de l'organisme donneur. Après, les conséquences sanitaires, environnementales, c'est autre chose. Mais ça, on va être capable de le faire. Petite précision quand même, quand on met un gène de bactéries dans le maïs, par exemple, mais encore une fois, c'est vrai de tout organisme vers tout autre, il ne suffit pas de prendre ce gène de bactéries qui nous intéresse et de l'introduire dans les cellules de maïs pour que ça marche. Ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire. Je viens de dire que le langage génétique est universel. Oui, il est universel, mais la structure des gènes, c'est-à-dire la structure des phrases, n'est pas la même d'un organisme à un autre. C'est comme si sur la planète, nous parlions tous le même langage, avec le même alphabet, mais que d'un pays à l'autre, la structure des phrases était différente, avec une position des verbes par rapport au sujet, etc., différente. Et donc, pour pouvoir lire un livre de manière fluide écrit dans un autre pays, même s'ils parlent la même langue que nous avec le même alphabet, il faudrait faire un travail préalable de transposition des phrases, des mots dans les phrases. Eh bien, c'est un petit peu ça, les gènes. Il va falloir, pour que mon gène de bactéries fonctionne dans le maïs, enlever des petits bouts de gènes de bactéries qu'on va remplacer par des petits bouts de gènes de plantes, qui par définition sont fonctionnels dans la plante, ou par des petits bouts de gènes de virus de plantes, qui par définition fonctionnent dans la plante. C'est-à-dire que ce qu'on va introduire dans le maïs, ce n'est pas le gène naturel de la bactérie, mais un gène modifié, ce qu'on appelle dans notre jargon de biologiste, une construction génétique artificielle. Et c'est cette construction génétique artificielle, une sorte de chimère génétique, constituée de plusieurs bouts de gènes d'origine différente, dont le principal constituant sera bien sûr, dans mon exemple, le gène de bactérie, mais pas seulement, que l'on va introduire dans le maïs. C'est le fait que ce ne soit pas le gène naturel, mais un gène modifié, fait que les protéines codées par ce gène sont elles aussi plus ou moins modifiées avec un changement de leurs propriétés. Et on a un très bel exemple de cela, j'y reviendrai si j'ai le temps à la fin de la conférence, sur le maïs Monsanto 810. On nous dit, mais il n'y a pas de problème, il produit quelque chose qui est déjà connu. En fait, ce qu'il produit, ce maïs, ce qu'on lui a mis dedans, permet à ce maïs de fabriquer une protéine qui est différente de celle qui est naturellement fabriquée par la bactérie. Pour cette raison-là, et avec des conséquences environnementales qui sont de plus en plus évidentes aujourd'hui. Alors, j'y reviendrai si j'ai le temps à la fin de la conférence. Autre chose, vous avez certainement entendu dire déjà que
que la technologie OGM est une technologie chirurgicale. Les mots ont leur importance quand on dit de quelque chose que c'est chirurgical. Ça sous-entend que l'on maîtrise tout. Parce que quand on va voir le chirurgien, on espère bien qu'il maîtrise tout. Eh bien, j'ai l'habitude de dire que si le chirurgien maîtrisait la chirurgie comme nous, les généticiens moléculaires, nous maîtrisons la technologie OGM, eh bien, bien sûr, je vous souhaite à chacun d'entre vous de ne pas avoir besoin d'aller voir un chirurgien. Mais alors là, je vous dirais surtout, n'y allez pas. Parce que non, ce n'est pas chirurgical. Ce qui est relativement précis, relativement chirurgical, c'est la construction génétique artificielle, les petits bouts de gènes qu'on enlève pour en mettre d'autres à la place. Parce que même si on travaille dans des conditions où on ne voit pas ce que l'on fait, on travaille en aveugle, on peut vérifier à la fin qu'on ne s'est pas trompé en regardant la séquence et en vérifiant qu'on a bien enlevé ces lettres-là, qu'on en a mis d'autres, etc. En revanche, ce qui n'a rien de chirurgical, c'est la manière dont nous allons introduire cette construction génétique artificielle dans les cellules receveuses. Par exemple, dans les bactéries, on est amené à faire ça toutes les semaines dans les laboratoires, et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Comment faisons-nous pour introduire une construction génétique dans des bactéries ? Nous mettons la construction génétique au contact des bactéries dans une solution liquide, dans un petit récipient qui est muni de deux électrodes. Et avec un appareil prévu à cet effet, nous envoyons entre les deux électrodes une décharge électrique de 2500 volts pendant une fraction de seconde. Cette décharge électrique, elle a pour but de faire des trous dans la paroi des bactéries pour faire rentrer la construction génétique par ces trous. Alors en fait, il y a 95% des bactéries qui ne supportent pas le choc électrique et qui meurent, et parmi les 5% qui restent, il y en a quelques-unes qui récupèrent des gènes étrangers. Alors, j'y connais rien en chirurgie, j'espère que le choc électrique n'est pas trop utilisé. En tout cas, vous comprenez bien que ce n'est pas chirurgical. De la même manière pour les cellules de plantes, on a différentes techniques pour introduire une construction génétique dans des cellules de plantes. Il y en a plusieurs. L'une d'elles, qui est la plus utilisée, qui est à l'origine de la plupart des plantes transgéniques cultivées à la surface de la planète, c'est la technique de biolistique qui fait appel à un appareil qui s'appelle un canon à gènes. Comment ça marche en deux mots ? On utilise des microbilles de tungstène, d'or ou de platine, donc des microbilles qui font un micron de diamètre, un millième de millimètre de diamètre. Elles sont en or, en tungstène ou en platine. Et il se trouve que les gènes, l'ADN, a une affinité pour l'or, pour le tungstène ou le platine. Donc on trempouille les billes dans la solution qui contient la construction génétique, elle vient alors se coller sur les billes, et avec ces billes qui sont tapissées de la construction génétique, on les met dans un appareil qui ressemble à un petit revolver, et on bombarde les cellules végétales en culture. Les billes passent à toute vitesse dans les cellules, et au passage, il y a éventuellement des gènes qui se décrochent, et qui vont se mettre comme ils peuvent dans les chromosomes de la plante. Vous voyez que si vous n'êtes pas encore anesthésié quand vous rentrez dans le bloc chirurgical, et que le chirurgien est avec ça, non, ce n'est pas chirurgical. On ne maîtrise pas le nombre de gènes qui vont rentrer, les endroits où ils vont se mettre dans les chromosomes de la plante, etc., etc. Ça peut aller se mettre en plein milieu d'un gène de la plante et inactiver ce gène de plante. Ça peut se mettre à un endroit qui va stimuler des gènes voisins. Ce sont des choses que nous voyons couramment quand nous faisons de la transgénèse en laboratoire. Et donc, ce n'est pas chirurgical. Dernière petite chose, les protéines que j'ai représentées ici comme une sorte de pelote de laine un peu replié n'importe comment, ce n'est pas n'importe comment. Les protéines, le collier de perles, une fois qu'il est terminé, une fois que les perles sont enfilées, eh bien, il va se replier dans l'espace selon une structure en trois dimensions extrêmement précise et spécifique à chaque protéine. Or, la nature et l'ordre d'enchaînement des perles qui composent ce collier de perles est dicté par la succession des quatre lettres dans le gène. Mais ce qui n'est pas dicté par le gène, c'est la manière dont va se replier cette protéine dans l'espace. Ça dépend de l'acidité, de la concentration en sel, de l'environnement cellulaire. Et l'environnement d'une cellule de maïs, ce n'est pas l'environnement d'une cellule de bactéries. On n'a donc jamais la certitude qu'une protéine d'un organisme A sera repliée dans l'espace de la même manière dans l'organisme B qu'elle ne l'est dans l'organisme A. Et une protéine qui est mal repliée, ça peut avoir des conséquences anodines, ça peut avoir des conséquences très fâcheuses. N'oublions pas que l'agent responsable des maladies type vache folle, Creutzfeldt-Jakob, tremblante du mouton, etc., l'agent qu'on appelle le prion, n'est rien d'autre qu'une protéine qui est mal repliée. Le gène est intact, c'est-à-dire que l'ordre de succession des couleurs de perles est correct,
mais la protéine est mal repliée avec les conséquences que l'on sait. Alors je ne dis pas que toutes les protéines qui sont mal repliées, ça fait des prions, mais prions pour qu'elles se replient bien quand même. Voilà. Et ça, malheureusement, ce n'est pas vérifié parce que ça fait appel à des techniques extrêmement difficiles, coûteuses, et on considère que quand une protéine a gardé son activité biologique dans le maïs, par exemple, l'activité qui nous intéressait et qu'elle avait dans la bactérie, on dit que c'est la même protéine. Ce n'est pas vrai. Donc voilà un petit peu, et je reviendrai sur ces notions à travers des exemples concrets. Alors maintenant, je vais aborder les différents domaines d'utilisation de la technologie OGM, le domaine recherche fondamentale, le domaine médical, le domaine agricole, pour vous montrer en quoi c'est différent. La recherche fondamentale, c'est quoi? C'est comprendre comment ça marche, indépendamment de toute application. Donc, comprendre comment ça marche pour le vivant, c'est décortiquer les chaînes de montage et de démontage, c'est-à-dire identifier les ouvriers qui travaillent sur ces chaînes de montage et de démontage, c'est-à-dire les protéines. Et comme le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes, il nous faut identifier les gènes. Alors en fait, on passe systématiquement, quand on fait ça, par des OGM. Et c'est important de le savoir. C'est important de le savoir même si on est là pour s'intéresser aux OGM agricoles. Parce que ça permet de comprendre pourquoi de nombreux biologistes, en toute sincérité et en toute honnêteté, vont vous dire « il n'y a pas de problème avec la technologie OGM ». Il n'y a pas de problème, faites-nous confiance. Nous faisons ça depuis 35 ans dans les laboratoires. Eh bien, c'est bien ça le problème. C'est qu'il y a une banalisation du risque. Ce n'est pas propre à la science, ce n'est pas propre aux OGM. Nous avons tous été confrontés dans notre vie professionnelle ou privée à utiliser pour une première fois, il y a toujours une première fois, une machine dangereuse ou faire un geste dangereux. Le premier jour, on y va avec toutes les sécurités, le casque, les chaussures de sécurité, les gants. Puis le jour où on devient à l'aise, on oublie le casque, on oublie les gants. L'ébéniste qui a perdu des doigts, ce n'est pas quand il était apprenti. C'est quand il était ouvrier qualifié. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise une technique ou qu'on en maîtrise le geste qu'on en maîtrise les conséquences. Et c'est bien pour ça qu'il faut avoir ça là à l'esprit. Alors, pourquoi on fait ça en recherche fondamentale? Je vais vous donner juste un exemple. Le but, bien sûr, n'est pas d'être exhaustif, j'y arriverai pas sinon. On va imaginer que je pars d'un lapin. Je ne travaille pas sur le lapin, mais c'est le seul animal que j'avais dans mon logiciel. Alors, on part d'un lapin, on va extraire ses chromosomes. Il n'y a pas besoin de tuer le lapin pour extraire les chromosomes. Il suffit de prendre, par exemple, une petite goutte de sang dans l'oreille, c'est en général ce que l'on fait, ou du sperme si c'est un mâle, parce que c'est très facile d'obtenir des grosses quantités de chromosomes à partir des liquides physiologiques comme le sang et le sperme, mais on peut le faire à partir de n'importe quoi. Dans la police criminelle, ils le font à partir d'un cheveu trouvé sur une moquette, à partir d'un bout de peau sous l'ongle d'une victime, à partir d'une tache de sperme dans la moquette du sophitel, etc. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ont déjà peut-être connu cela au commissariat, on vous prend parfois des cellules dans la joue pour remplir les fichiers policiers. Alors ça, c'était réservé au départ aux grands criminels, c'est-à-dire aux pédophiles et aux faucheurs d'OGM. Et puis maintenant, ça s'est généralisé. Alors, comment faisons-nous? On va imaginer qu'on va identifier un gène dans les chromosomes du lapin. Je fais de la recherche fondamentale. Et ma question est, qu'est-ce qu'il fait ce gène dans les usines cellulaires du lapin? Quels sont les ouvriers dont il détient le secret de fabrication? Et que font ces ouvriers dans les usines cellulaires du lapin? Alors on va identifier ce gène, peu importe comment, une méthode expérimentale, une méthode informatique. Et on va aller d'abord chercher ce gène, l'isoler des chromosomes, parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est casser ce gène. C'est une démarche générale en biologie et en science, pas seulement en biologie. Quand on veut comprendre à quoi sert quelque chose, on le casse et on regarde les conséquences. Par exemple, moi, j'y connais rien en mécanique automobile. J'ouvre un capot de moteur et je vois de la porcelaine blanche dans un tas de cambouis. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Et mon frère, qui est mécanicien, me dit, mais Christian, ce sont des bougies. Mais moi, je ne sais pas à quoi ça sert les bougies, j'y connais rien, je suis nul en bougies. Eh bien, il y a une méthode, je prends un marteau, je casse la bougie, la voiture ne démarre plus, j'en déduis que les bougies sont nécessaires à l'allumage. Eh bien, nous avons la même démarche. Je vais casser mon gène chez le lapin. Si le lapin n'entend plus, ah, peut-être j'ai touché un gène impliqué dans l'audition. S'il ne voit plus, dans la vision. Si les banques ne font plus faillite, peut-être c'est le gène du trader, etc., etc. Et donc, on va identifier ce gène, on va aller le chercher
avec des petits ciseaux. Alors, ce ne sont pas des ciseaux, ce sont des enzymes, des protéines, qui ont une activité biologique particulière, ce sont des ciseaux moléculaires. Et ces enzymes, qui sont des enzymes de l'usine cellulaire bactérienne, sont capables de couper la double hélice d'ADN à des endroits très précis, en fonction de l'ordre de succession des quatre lettres. Alors, on en a toute une série de ces ciseaux dans nos congélateurs à moins 20 degrés, et on choisit la bonne enzyme en fonction de l'endroit où on veut que ça coupe. Coup comme le mécanicien a un jeu de clés et choisit la bonne clé en fonction du diamètre du boulon. Eh bien nous allons choisir une enzyme qui coupe en amont, une enzyme qui coupe en aval, et nous allons sortir le gène. Alors c'est un petit peu plus compliqué que cela, mais peu importe. Et ce gène, on va le manipuler dans un tube à essai, in vitro. On va lui foutre le coup de marteau sur la bougie, le casser. Mais pour faire ça, il en faut des grosses quantités. Ça demande plusieurs étapes, et à chaque étape, il faut des grosses quantités. Et pour en avoir des grosses quantités, on n'a pas d'autre solution, finalement, que de mettre ce gène dans des bactéries. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, c'est très facile. Choc électrique, 2500 volts, une fraction de seconde, ça fait des trous, ça rentre. Il y a quand même des petits préparatifs à faire avant, des petites choses à faire après. Allez, 2 heures. Vous faites ça à 16 heures. À 18 heures, vous avez les bactéries avec le gène de lapin dedans. Et admettons que vous quittiez le laboratoire à 19 heures. Avant de quitter le laboratoire, eh bien, vous allez tout simplement mettre ces bactéries qui contiennent le gène de lapin dans un tube de culture avec tout ce qu'il faut, des vitamines, du sucre, de l'azote pour qu'elles puissent se nourrir et se multiplier. Et vous allez mettre votre tube à 37 degrés. Pourquoi 37 degrés ? Parce que cette bactérie est une bactérie de notre intestin. Donc, elle vit à 37 degrés, c'est donc la température idéale pour elle. Et dans ces conditions, elle se multiplie toutes les demi-heures. Donc, si vous quittez votre laboratoire avec 1000 bactéries dans votre tube, ça ne se voit pas à l'œil nu, 1000 bactéries. Eh bien, à 7h30, vous avez 2000. À 8h, vous avez 4000. À 8h30, vous avez 8000. À 1h du matin, vous en aurez 1 million. À 1h30, 2 millions. Et quand vous en aurez 1 milliard, une demi-heure après, 2 milliards, 4 milliards. Et quand vous revenez le lendemain matin, vous avez énormément de bactéries qui toutes ont le gène de lapin, parce que toutes se sont multipliées à partir de celles de départ qui avaient le gène de lapin. On a donc une énorme quantité de gènes de lapin. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, eh bien, récupérer nos bactéries, ces milliards de bactéries, on va les casser, on va sortir le gène, et on va pouvoir le manipuler in vitro pour le casser. Hein. Donc, alors en fait, pour le casser, hein, ce n'est pas un coup de marteau qu'on met dessus, on va enlever des lettres ou remettre des lettres à GCT un petit peu en plein milieu du gène. Donc le message génétique sera cassé. Hein, et donc ce gène ne sera plus capable de fabriquer les protéines qu'il était censé fabriquer. Donc il y a des ouvriers qui vont manquer dans les usines cellulaires du lapin. Et donc ce gène cassé, on va le remettre dans le lapin. Alors quand je dis qu'on va le remettre dans le lapin, c'est un abus de langage. En fait, on va faire un nouveau lapin. C'est-à-dire qu'on va agir sur les cellules embryonnaires, on va faire une fécondation in vitro, on va introduire le gène cassé à la place du gène normal dans les cellules embryonnaires, on va réimplanter l'embryon dans l'utérus de la lapine, et on va récupérer à ce moment-là des futurs lapins qui auront dans toutes leurs cellules un gène de moins. Et on va comparer ces nouveaux lapins. Et je vous disais, on va comparer ces nouveaux lapins avec le lapin de départ. Et je vous disais, si ce lapin n'entend plus, « Ah, j'ai peut-être touché un gène de l'audition ». S'il ne voit plus, ah, j'ai peut-être touché un gène de la vision. Si il se met à boiter, etc., la fonction musculaire ou neuronale. Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Parfois, on casse un gène et ça ne fait rien au lapin dans les conditions de laboratoire. Et donc, il faut en casser 2, 3, 4, 5 avant de voir quelque chose. Puis parfois, c'est le contraire. Vous cassez un seul gène et le lapin, il n'entend plus, il ne voit plus et puis il boite. Mais ça donne des pistes sur la fonction. Et vous voyez que là, nous avons fait des OGM, puisque nous avons un gène de bactéries, de lapins dans les bactéries. Ce sont des bactéries transgéniques. Et ici aussi, on a fait un OGM. Vous allez me dire, non, vous n'avez pas mis de gène étranger dans le lapin. Pas forcément, parfois on est obligé. Mais même si je n'ai pas mis de gène étranger dans le lapin, j'ai bien fait un OGM, puisque j'ai modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales du lapin par suppression d'un gène. Donc c'est un OGM non transgénique. Vous avez donc ici illustré les deux catégories d'OGM, transgénique et non transgénique, dont j'ai parlé dans mon introduction. Alors,
Évidemment, ce n'est pas parce que nous, on fait ça toutes les semaines dans les laboratoires que c'est bien. Ça pose des questions différentes des OGM agricoles, on va y venir. Mais ça pose des questions, bien sûr. Hein, ça fait partie du débat sur les OGM. D'abord, la technologie OGM, c'est un outil intéressant pour nous chercheurs, mais ce n'est pas non plus la panacée. C'est un outil qui a ses avantages et ses limites. C'est un outil qui n'a pas d'intérêt comme tous les outils si on l'utilise tout seul. Hein, une clé, c'est indispensable, une clé dans une boîte à outils, mais si vous n'avez qu'une clé, vous n'allez pas faire grand-chose. C'est pareil avec la technologie OGM. Si vous inactivez un gène du lapin, le lapin n'entend plus, vous en déduisez que vous avez touché un gène de l'audition. Ça peut être vrai, ça peut être des effets indirects. Quand on marche sur la queue d'un chien, le chien aboie. On n'en déduit pas pour autant qu'il aboie avec la queue. Donc il faut faire des expériences complémentaires. Mais c'est une piste. Voilà, et donc c'est utilisé vraiment à tour de bras. Deuxième domaine d'utilisation de la technologie OGM, qui est le premier domaine, disons, d'application véritable à des fins de point de vue finalisé, c'est le domaine médical. Alors, je n'ai pas été exhaustif sur la recherche fondamentale, je ne le serai pas plus sur le domaine médical, parce qu'il y a énormément de facettes d'utilisation de la technologie OGM à des fins médicales et pharmaceutiques. Je vais vous donner un seul exemple qui s'inscrit dans un domaine d'activité où la technologie OGM est énormément utilisée et qui est un exemple qui nous concerne dans notre vie de tous les jours, en tout cas dans les sociétés occidentales. Il s'agit de la production de protéines médicaments. Vous savez que les protéines, je l'ai dit, ce sont les ouvriers des usines cellulaires, végétales, animales, microbiennes, etc. Elles ont tout un rôle dans la nature. Et ce rôle, on peut parfois l'exploiter ou le détourner pour en faire un outil, un médicament pour soulager, soigner un enfant, un adulte, un animal. C'est beaucoup utilisé aussi en clinique vétérinaire. Et quand on veut faire d'une protéine un médicament, il faut la produire en grosse quantité. Et pour la produire en grosse quantité, nous n'avons pas d'autre solution que d'avoir recours en fait à la technologie OGM ou aller la chercher à la source. Alors, aller la chercher à la source, ce n'est pas simple. Pourquoi ce n'est pas simple ? Bien parce que, par exemple, si on va chercher une protéine chez des animaux ou chez des végétaux ou chez des microbes qui la produisent naturellement, eh bien, par exemple, si c'est une protéine animale pour faire un médicament pour les humains, c'est dangereux. Pourquoi ? Enfin, ça peut être dangereux parce qu'on peut, en purifiant la protéine animale, purifier un agent infectieux de l'animal qui va contaminer le médicament et contaminer le patient. Ça s'appelle la contamination croisée. Il y a eu des accidents comme cela dans le passé. Et puis, c'est des problèmes de rendement également. Il y a par exemple une protéine qu'on se procure à partir du blanc d'œuf, mais il faut 2 tonnes de blanc d'œuf pour en avoir 10 kilos. Donc, vous voyez, ce n'est pas simple. Et la technologie OGM permet de surmonter ces difficultés. Et la première protéine médicament qui a été faite par technologie OGM, c'est l'insuline pour soigner les diabétiques. L'insuline, c'est une protéine hormone qui est fabriquée par le pancréas, qui passe dans le sang pour aider le sucre qui est dans le sang à rejoindre les cellules du cerveau, les cellules musculaires qui en ont besoin. Le problème, c'est qu'il y a des gens, vous le savez, qui ne fabriquent pas assez d'insuline ou qui ont un défaut pancréatique qui fait qu'ils ont un taux de sucre dans le sang anormalement élevé avec des temps beaucoup trop longs. C'est le diabète insulino-dépendant. Comment faisait-on autrefois pour soigner ces diabétiques ? Eh bien, on ne pouvait pas prendre l'insuline à un bien portant pour le donner à un mal portant, parce que l'insuline, on n'en fait pas en excès. On ne fait que ce dont nous avons besoin, nous. Donc, on ne peut pas en prendre à quelqu'un pour donner à un autre, parce qu'on ferait du bien portant à un diabétique. Et donc, on est allé chercher chez l'animal, et on est allé chercher chez le cochon. Parce que l'insuline de cochon ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'insuline humaine. Il n'y a qu'une perle de différence dans les 2 colliers de perles, l'insuline de cochon et l'insuline humaine. Donc les chercheurs et les médecins se sont dit, c'est bien le diable si ça ne marche pas. Et oui, ça marche. Vous prenez de l'insuline de cochon, vous l'injectez à un diabétique insulino-dépendant et vous régulez sa glycémie. Et pendant des années, on a soigné les diabétiques comme ça. Mais ça a fini par causer 2 problèmes. Premier problème, l'approvisionnement. Vu le nombre de diabétiques qu'il y a dans nos sociétés occidentales, vous imaginez le nombre de cochons qu'il fallait tuer pour obtenir la quantité suffisante d'insuline. Et le deuxième problème dont on croyait qu'il n'était pas un problème, c'est la perle bleue à la place de la perle rouge, la petite différence chimique entre les 2 insulines.
Certains patients qui s'injectaient de l'insuline de cochon tous les jours, voire trois fois par jour, finissaient par développer une intolérance à l'insuline de porc au point de ne plus pouvoir se soigner. Et la solution, en tout cas la solution qui est utilisée aujourd'hui, est venue de la technologie OGM. On est parti d'un homme ou une femme en bonne santé, c'est-à-dire pas diabétique en tout cas. On a extrait ses chromosomes, pas besoin de les tuer là encore. Et on a identifié dans les années 70, c'était avant de connaître le livre génétique humain, mais on était quand même capable d'identifier des gènes, ça allait moins vite, mais on était capable. Et on a identifié le gène qui détient le secret de fabrication de l'insuline. Et qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, ce gène, on est allé le chercher dans les chromosomes humains avec nos petites enzymes. Lorsque ce gène est traduit en protéine, il permet de fabriquer un collier de perles qui s'appelle l'insuline, que j'ai représenté ici sous la forme d'un triangle rouge. Et ce gène, on l'a mis dans des bactéries, toujours les bactéries de notre intestin. Sauf que cette fois-ci, ces bactéries, au lieu de les cultiver pendant une nuit dans un petit tube dans 2-3 millilitres, on les cultive pendant plusieurs jours, plusieurs nuits dans des fermenteurs de 400 litres, en espace confiné, à une échelle industrielle. Et donc, ce n'est pas un petit culot de bactéries que l'on récupère comme ça le lendemain, mais des dizaines de kilos et des dizaines de kilos de bactéries, qui toutes, parce qu'elles se sont multipliées à partir de celles de départ qui avaient le gène humain, ont le gène humain. Et comme le langage génétique est universel, elles prennent le gène humain à leur propre compte, le décodent et fabriquent l'insuline humaine. Et on a des bactéries qui sont devenues des véritables usines à insuline. On va alors éclater ces dizaines de kilos de bactéries, extraire l'insuline, la purifier, la conditionner sous forme de médicaments et l'injecter à quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'elle est diabétique insulino-dépendant. S'il y a des diabétiques dans la salle, et vu le nombre de personnes que vous êtes, statistiquement, je peux dire, sans me tromper, qu'il y en a, eh bien, et on en connaît tous, malheureusement, des diabétiques, hein, vous savez que, enfin, vous savez peut-être pas, mais depuis qu'ils vont chercher, depuis 1981, quand ils vont chercher leur insuline en pharmacie, elle est faite comme ça. Alors, il n'y a pas que l'insuline qui est faite comme ça aujourd'hui, il y a toute une tripotée de protéines, médicaments qui sont faites, ça représente environ 15% de la pharmacopée. 15% des médicaments qui nécessitent une prescription médicale sont des protéines obtenues par technologie OGM qu'on appelle des protéines recombinantes, c'est-à-dire fabriquées par des cellules transgéniques. C'est l'insuline pour soigner les diabétiques, c'est l'hormone de croissance pour traiter certaines formes de nanisme, c'est des interleukines pour traiter certaines formes de cancer, c'est l'EPO pour traiter les insuffisants rénaux, c'est toute une tripotée de vaccins, etc., etc. Alors, ce n'est pas forcément la panacée comme méthode. Dans le cas de l'insuline, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu d'autres exemples où ça ne s'est pas bien passé. Mais c'est une méthode qui est utilisée pour produire des médicaments. Et j'en viens maintenant à la dernière partie, les OGM dans l'agroalimentaire. Les gens qui me connaissent bien me diraient « Christian, je ne comprends pas. Depuis le début de ta conférence, tu as fait trois intercalaires bleus. Le premier, c'était OGM et recherche fondamentale. Le deuxième, c'était OGM et médecine. » Pourquoi, par souci de rigueur et d'homogénéité, ne dis-tu pas OGM et agroalimentaire? Pourquoi dis-tu OGM dans l'agroalimentaire? Eh bien, si je le dis, vous ne l'auriez peut-être pas remarqué si je ne l'avais pas dit, c'est pour ça que je le dis, c'est parce que j'y tiens à mon dent. Et pourquoi j'y tiens à mon dent? C'est parce qu'il y a deux énormes différences entre les OGM agroalimentaires et les OGM dont je viens de parler qui justifient ce dent. Première différence, tous les OGM dont je viens de parler sont utilisés en espace confiné. Ceux-là sont destinés à aller dans les champs et dans les assiettes, ce qui va inévitablement, indépendamment des a priori de chacun sur les OGM, et indépendamment des réponses que nous pouvons apporter, ça va poser des questions nouvelles d'ordre sanitaire, puisque ça finit dans les assiettes, et d'ordre environnemental, puisque c'est dans les champs, et que c'est donc, nous sommes tous propriétaires d'un bien commun qui s'appelle l'environnement. Deuxième raison pour laquelle je mets « dans » et pas « et », c'est tout simplement parce que tous les OGM dont je viens de parler ne sont que des outils. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse en bout de chaîne, ce ne sont pas les OGM en tant que tels, c'est l'outil qu'ils représentent. Au service du chercheur, l'OGM n'est rien d'autre qu'une éprouvette biologique, un intermédiaire dans un protocole, mais ce n'est pas l'OGM qui m'intéresse en tant que tel. De la même manière, quand vous allez chercher un médicament fait par OGM à la pharmacie, ce n'est pas l'OGM que vous allez chercher, mais le médicament fait par OGM. Ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, mais d'abord, un médicament est beaucoup mieux évalué
que même si certains sont mal évalués, c'est beaucoup mieux évalué que les OGM agricoles, et il n'y a pas de mal, et Gilles-Éric Séralini vous en parlera beaucoup mieux que moi de l'évaluation des OGM agricoles un peu plus tard. De toute façon, ce n'est pas la même chose de manger une protéine fabriquée par OGM sous forme de médicaments que de manger l'OGM lui-même ou les produits qui en sont dérivés. Et donc, ce n'est qu'un outil, c'est une usine à médicaments. Par contre, quand on fait un maïs OGM, un colza, un soja, un coton, etc., ce maïs, par exemple, on va le semer, on va le cultiver, on va le récolter exactement comme un maïs OGM. On va nourrir les animaux ou nourrir les humains de la même manière, il va être consommé de la même manière qu'un maïs conventionnel. Et quand vous allez en plus aller à l'étal du supermarché chercher de la farine de maïs, le système de traçabilité actuel ne vous permet pas de savoir si ça provient d'un maïs conventionnel ou d'un maïs OGM. Ça veut dire que les deux maïs ont exactement le même devenir sans qu'à aucun moment le citoyen ou le consommateur ne puisse faire la différence. On n'est donc plus dans l'OGM outil, on est dans l'OGM utilisé à des fins en tant que tel. Et qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Quand on fait une bactérie OGM, on n'en a rien à faire que la bactérie soit pas bien par ailleurs, pourvu qu'elle nous produise l'insuline et qu'elle la produise bien, hein, si je prends cet exemple-là. Par contre, si je fais un maïs OGM dans lequel j'ai mis un gène étranger pour lui permettre de lutter contre un insecte ravageur, c'est le cas du maïs Monsanto 810 qui lutte contre la pyrale. C'est pas le tout de lui mettre ce gène étranger. La question est de dire en quoi l'introduction de ce gène étranger qui lui permet de fabriquer une protéine insecticide aurait-il pu perturber les gènes du maïs? Quelles conséquences sur le métabolisme du maïs? Quelles répercussions dans la chaîne alimentaire? Quelles répercussions dans l'environnement? Vous pouvez, cet insecticide qui va être produit dans la plante va être produit dans toutes les cellules de la plante, notamment dans les racines. Ça va passer dans le sol. Quels sont les effets de cet insecticide sur les vers de terre, sur les microbes du sol, les bactéries microscopiques, les champignons microscopiques? Quels sont ses effets sur les insectes dits utiles, les coccinelles, les abeilles, etc.? Je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à toutes ces questions. On a de plus en plus d'éléments et on pourra y revenir. Ce que je veux montrer simplement par là, c'est en quoi l'introduction des OGM dans l'agroalimentaire pose beaucoup de questions nouvelles et de risques nouveaux qui n'étaient pas posés, ou en tout cas pas de la même manière, avec les autres OGM. Alors, pour en terminer, qu'est-ce que l'on fait avec les OGM agricoles, les plantes transgéniques? C'est très facile là d'être exhaustif, parce qu'à plus de 99%, 99,99%, ce sont des plantes pesticides. C'est quoi des plantes pesticides? D'abord, c'est quoi un pesticide? Un pesticide, c'est le terme générique qui englobe insecticides qui tuent les insectes, fongicides qui tuent les champignons, herbicides qui tuent les herbes, les plantes, etc. Et une plante pesticide est une plante qui va accumuler ou qui est susceptible d'accumuler un pesticide dans ses cellules parce qu'elle a été génétiquement modifiée soit pour produire en permanence un insecticide pour lutter contre un insecte ravageur, c'est le cas du Monsanto 810, soit elle a été génétiquement modifiée pour ne plus mourir quand on l'arrose avec un herbicide qui aurait dû la tuer. Donc dans le premier cas, elle accumule un insecticide parce qu'elle le fabrique en permanence. Dans le second cas, elle accumule un herbicide parce qu'elle l'absorbe sans mourir. Et donc on a bien affaire à des plantes pesticides. Première catégorie, les plantes qui produisent un insecticide qu'on appelle des plantes BT. Et je vais vous dire pourquoi BT dans un instant. Alors, je vais parler du maïs parce que c'est celui qui fait l'actualité en Espagne et en Europe. Mais il n'y a pas que du maïs BT, il y a du colza BT, il y a du soja BT, il y a du coton BT, il y a de la betterave BT, il y a de l'aubergine BT. Et toutes ces plantes BT, en fait, elles vont pouvoir produire un insecticide parce qu'on leur a mis un gène qui détient le secret de fabrication d'un insecticide dans leurs cellules. Ce gène provient d'un organisme dont les initiales sont BT, d'où le nom de plante BT. Alors vous avez du maïs BT qui va lutter contre la chrysomèle, qui est un insecte qui s'attaque aux racines du maïs parce qu'on lui a mis un gène qui lui permet de lutter contre cet insecte-là. Et vous avez par exemple un maïs BT qui va lutter contre la pyrale. La pyrale est un papillon crépusculaire dont la chenille fait des dégâts dans la tige de maïs. Vous avez le trou fait par la chenille ici. Et vous avez ici une coupe longitudinale qui vous permet de voir les dégâts occasionnés par la chenille à l'intérieur de la tige. Et il se trouve qu'il y a une bactérie du sol, un microbe du sol, qu'on appelle Bacillus thuringiensis. Si je vous donne son nom, ce n'est pas pour faire savant. C'est pour vous montrer que les initiales sont BT, d'où le nom de plante BT,
BT, ça ne veut pas dire biotechnologie, comme le pensent certaines personnes. C'est les initiales de la bactérie d'où provient le gène étranger. Et cette bactérie BT du sol, elle a plein de gènes à elle qui détiennent le secret de fabrication de protéines de colliers de perles, tueuses d'insectes. Et parmi ces protéines insecticides, il y en a une qui tue spécifiquement la pyrale. Les chercheurs se sont dit, puisque le langage génétique est universel, je vais prendre le gène de cette bactérie, je vais le mettre dans le maïs va prendre le gène à son propre compte, le décoder et fabriquer lui-même la protéine insecticide qui lui permet de lutter contre la pyrale. Eh bien, toutes les plantes BT sont sur le même modèle, il n'y a que la nature du gène, qui provient toujours de la bactérie BT, qui change. Et donc l'insecte visé qui change. Alors ces plantes insecticides, BT, représentent grosso modo 20% des OGM, 20% des plantes transgéniques pesticides. Deuxième catégorie, les plantes qui tolèrent un herbicide. Cet herbicide, c'est soit le Roundup fabriqué par la société philanthrope Monsanto, soit le Liberty fabriqué par la société européenne Bayer. C'est Monsanto qui fabrique les plantes qui tolèrent le Roundup, et c'est Bayer qui fabrique les plantes qui tolèrent le Liberty, parce que le monde est bien fait des fois. Alors, je vais prendre l'exemple du Roundup, mais c'est le même principe sur le Liberty. Le Roundup, son principe actif chez les plantes s'appelle le glyphosate. C'est un herbicide dit à large spectre, parce qu'il tue toutes les plantes. Et peut-être pas que les plantes d'ailleurs, mais les plantes, il les tue tout de suite. Et cet herbicide, pourquoi c'est un herbicide à large spectre? Pourquoi il est très efficace en termes d'herbicide? Parce qu'il agit sur un ouvrier central de l'usine cellulaire végétale. Cet ouvrier s'appelle EPSPS, peu importe, il faut bien lui donner un nom. Et pourquoi il est central, cet ouvrier? Parce que si vous l'empêchez de travailler, toute l'usine s'arrête. Non pas que ce soit un leader syndical, simplement cet ouvrier que voilà ici, qui est donc un collier de perles, que j'ai représenté sous la forme d'une boule rouge, est impliqué dans la fabrication des perles. C'est lui-même un collier de perles, puisque c'est lui-même une protéine. Mais il fait plus de perles pour fabriquer ses collègues. C'est là que ma métaphore a ses limites. Eh bien, cette protéine, quand elle fait son travail, tout va bien. Quand le Roundup ou le glyphosate pénètre dans la plante, cet herbicide a un amour fou pour cet ouvrier. Dès qu'il le voit, il se jette dans ses bras. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il va se coller dessus. Et en se collant dessus, il empêche cet ouvrier de travailler. Si cet ouvrier ne travaille plus, il n'y a plus de perles. S'il n'y a plus de perles, on ne peut plus les enfiler. Si on ne peut plus les enfiler, il n'y a plus de protéines. S'il n'y a plus de protéines, il n'y a plus d'ouvriers. S'il n'y a plus d'ouvriers, l'usine ferme ses portes et la plante crève. C'est extrêmement efficace en termes d'herbicide. Eh bien, les plantes tolérantes au Roundup, comme le soja transgénique tolérant au Roundup, c'est un soja transgénique dans lequel on a mis un gène étranger qui provient d'une bactérie du sol, pas la bactérie BT, une autre bactérie cette fois, qui a un gène à elle qui détient le secret de fabrication d'un ouvrier EPSPS, mais modifié. C'est-à-dire que cet ouvrier, il fait exactement le même travail que son collègue de plante, mais le Roundup ne peut pas se coller dessus parce qu'il n'a pas la même structure dans l'espace. Et donc, quand le Roundup pénètre dans le soja transgénique de Monsanto, il est content, le Roundup. Il dit, j'ai deux ouvriers au lieu d'un, dans les bras desquels je peux me jeter. Mais quand il veut se jeter dans les bras du deuxième, il ne peut pas parce que la structure de cet ouvrier ne le lui permet pas. Et donc cet ouvrier va pouvoir continuer à travailler et remplacer son collègue de plante qui, lui, est totalement bloqué par le Roundup. Et ces plantes tolérantes au Roundup, qu'on appelle Roundup Ready, hein, prêt pour le Roundup, Liberty Linked, donc ce sont des mots très poétiques, hein, donc les communicants sont très très forts pour choisir les mots qui conviennent, les plantes RR, Roundup Ready ou LL, Liberty Linked, représentent 60% grosso modo des OGM, des plantes transgéniques. Alors 60% de plantes tolérantes aux herbicides, 20% de plantes insecticides BT, ça fait 80%. Comment arrivons-nous à 99,99%? Eh bien, ce sont les OGM de deuxième, de troisième et de quatrième génération, c'est-à-dire ceux qui font plusieurs caractères pesticides cumulés. Vous avez les OGM de deuxième génération qui produisent un insecticide et qui tolèrent un herbicide, de troisième génération qui produisent deux insecticides et qui tolèrent un herbicide, ou qui produisent un insecticide et qui tolèrent deux herbicides.
Et puis quatrième génération, c'est ceux qui font plus que ça, c'est-à-dire qui plus de 3 caractères pesticides, comme le maïs Smartstax du Canada, qui produit 6 insecticides et qui tolère 2 herbicides, le Roundup et le Liberty. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Alors, juste pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais faire très bref. 10 minutes, c'est parfait. Alors, je vais terminer par des questions sanitaires environnementales. Alors, il y a peut-être des gens dans la salle qui sont peut-être mal à l'aise parce qu'ils se disent « Je viens écouter un scientifique qui va expliquer les OGM et qui ne va pas prendre position. » Et vous avez vu, je n'ai pas pris position. Si, un petit peu. Je prends position. Oui. Je prends position parce que je considère que le scientifique est un citoyen et que c'est le rôle du scientifique de dire haut et fort quand il pense qu'une une technologie dérive et quand il pense qu'on fait n'importe quoi au nom de la science. Et je pense que c'est mon rôle de le dire parce que, voilà, la science, de toute façon, n'est pas neutre. La science est peut-être neutre dans sa mission première, qui est d'acquérir et diffuser des connaissances. Mais dès lors qu'elle s'inscrit dans un modèle de société, elle répond à ce modèle de société. Si je fais de la recherche ici et pas là, c'est parce que j'ai des sous pour en faire ici et pas là. Et si j'ai des sous pour travailler là-dessus et pas là-dessus, c'est parce qu'il y a des choix politiques en amont qui font que j'ai des sous ici et pas là. Alors elle est où, la neutralité, là-dedans? Non, je ne suis pas neutre. Personne ne l'est. Et c'est la raison pour laquelle je prends ces positions, parce que la contradiction, c'est ce qui fait respirer la démocratie, en science comme ailleurs. Mais pour qu'il y ait contradiction, faut-il encore que ceux qui ont des avis les affichent. Et je considère, avec mes amis du CRIGEN et collègues comme Gilles-Éric Serralini, que c'est notre rôle de scientifique et de citoyen de le dire, parce que si dans 30 ans, nous avons encore la chance, ou la malchance, je ne sais pas, de faire partie encore de ce monde, personnellement, je ne veux pas ne plus pouvoir me regarder dans un miroir en me disant « je savais et je n'ai rien dit ». Alors, je le dis, n'en déplaise à tous ceux que cela pourrait déranger. Alors, les risques sanitaires, maintenant je vais pouvoir me lâcher parce que j'étais un petit peu mal à l'aise. Eh bien, quelques mots sur les plantes pesticides. Je ne vais pas m'étendre puisque Gilles-Éric va en parler beaucoup mieux que moi. Simplement, deux mots, ce sont des plantes qui accumulent un pesticide. La moindre des choses serait qu'elles soient évaluées non seulement comme des plantes, mais également comme des pesticides, puisque l'animal qui va les manger va manger le pesticide. Les humains qui vont manger l'animal ou les produits animaliers, les œufs, le lait, la viande, vont peut-être être confrontés aux pesticides ou à ces résidus selon le devenir de ces pesticides dans la chaîne alimentaire. Eh bien, malheureusement, les plantes pesticides ne sont pas évaluées comme des pesticides parce que ce n'est pas la même directive européenne qui légifère sur les deux. Et alors que les pesticides sont évalués pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le troisième n'étant pas un rongeur, ils sont évalués aussi pendant 2 ans sur le rat. Pourquoi 2 ans? Parce que 2 ans, c'est la durée de vie d'un rat. Et ça donc permet de voir, de voir les effets chroniques, c'est-à-dire les effets sur le long terme. Alors qu'à 3 mois, on voit essentiellement les effets aigus. Eh bien, je ne dis pas que c'est suffisant pour les pesticides parce qu'ils sont connus pour être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire pour agir sur les voies hormonales sexuelles. Et donc, la moindre des choses serait de faire des tests des femelles en gestation sur plusieurs générations. On est loin du compte, c'est loin d'être parfait pour les pesticides. Mais ça a au moins le mérite d'être cadré par une directive européenne qui est la directive 91-414. La directive européenne qui légifère sur les OGM, qui est la directive 2018, avec un certain nombre de règlements, eh bien, malheureusement, n'impose pas de cadre qui oblige, par exemple, à faire des études à 2 ans. Et là, je m'arrêterai là parce que Gilles-Éric en parlera longuement tout à l'heure. Les risques d'allergie, vous mettez des gènes nouveaux dans une plante, elle va faire des protéines nouvelles. Ces protéines, vous allez les manger en mangeant la plante. Ben, des protéines, on en mange tous les jours. Des protéines animales, des protéines végétales, on en a besoin. Mais bon, oui, vous allez me dire, il y a des gens qui sont parfois allergiques. Oui, il y a des gens qui sont allergiques au kiwi. Il y a des gens qui sont allergiques au gluten, il y a des gens qui sont allergiques aux crustacés, aux poulets. Ben, ils le savent, ils n'en mangent pas. Oui, sauf que moi, si je suis allergique au kiwi, je ne mange pas de kiwi, parce que je sais encore reconnaître un kiwi. Par contre, si je vais chercher de la farine de maïs au supermarché, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas le moyen de savoir si elle provient de maïs OGM ou de maïs conventionnel. Et comme la plupart des effets allergiques sont des effets chroniques et que les études s'arrêtent à 3 mois, eh bien, sur un seul animal, et en plus dans une opacité totale, parce que pour des raisons de protection industrielle, ces tests sont faits par des laboratoires choisis par les firmes semencières, eh bien, évidemment, je n'aurai pas connaissance de ces éventuels risques allergiques.
Les problèmes liés à la perturbation du métabolisme de l'OGM, c'est extrêmement important. Vous ajoutez un gène étranger dans un organisme. Vous ajoutez des protéines nouvelles, des ouvriers nouveaux. Vous allez faire des nouvelles chaînes de montage, des nouvelles chaînes de démontage qui vont venir s'ajouter à toutes celles qui existent naturellement dans les cellules de la plante. Ne partez pas en courant, mais ça, c'est un schéma qu'on a dans tous nos laboratoires de biologie, qui représente une partie seulement, je dis bien une partie seulement, de ce que l'on connaît, et on ne connaît pas tout, de l'ensemble des processus biologiques qui ont lieu dans les usines cellulaires. Chaque trait est une chaîne de montage ou de démontage. Chaque point est un ouvrier qui travaille, une enzyme. Quand vous rajoutez des points, des gènes, vous rajoutez des points, des protéines, vous rajoutez des traits. Vous n'avez aucun moyen de savoir comment tout cela va interagir. Vous avez ici, par exemple, regardez cette protéine. Elle est impliquée dans cette chaîne-là. Elle est impliquée là, elle est impliquée là, elle est impliquée là, elle est impliquée là. Si on la modifie pour un caractère, ou si on l'introduit dans le maïs pour un caractère particulier, mais que deviennent ces autres caractères qui font qu'elle travaille dans d'autres chaînes de montage et de démontage? C'est une vue totalement réductrice du vivant. Et donc, c'est bien sûr extrêmement grave parce que les OGM sont évalués sur un principe qui s'appelle l'équivalence en substance et qui revient à considérer finalement qu'un OGM ne diffère de son contrepartie conventionnelle que par les gènes qu'on a modifiés ou les gènes étrangers qu'on a introduits dans l'organisme. C'est une vision totalement réductrice du vivant qui s'appuie sur un principe qui est totalement dogmatique mais qui est inscrit, par exemple, dans le règlement intérieur de la Food and Drug Administration, qui légifère sur l'autorisation des médicaments et des nouveaux aliments aux États-Unis. Et donc, du coup, on l'a érigé en principe, et ça conduit à des carences d'évaluation qui sont, bien sûr, catastrophiques. Les risques environnementaux, en deux mots, eh bien, vous avez des plantes insecticides. Imaginez, vous êtes dans votre jardin, et vous vous occupez de vos légumes, et votre voisin fait du maïs et pulvérise l'insecticide. Vous dites, il m'embête le voisin, je prends des nuages d'insecticide dans les narines, il me pollue. Et l'année d'après, votre voisin s'est converti au Monsanto 810, certains se reconnaîtront certainement ici, puisqu'il y en a beaucoup en Espagne. Eh bien, vous dites, et le voisin, il ne pulvérise plus l'insecticide. Et vous dites, super, il est devenu écolo, mon voisin. Ce n'est pas si simple. D'accord, il n'aura plus besoin de pulvériser cet insecticide-là. Mais est-ce que ça veut dire que l'insecticide n'est plus dans l'environnement? Certainement pas, puisque la plante le produit et le produit en permanence. Dans la méthode conventionnelle, quand est-ce que l'agriculteur met l'insecticide? Quand le papillon attaque, parce que ce qui est dangereux n'est pas le papillon, mais la chenille. Donc si on tue le papillon avant qu'il ne ponde ses œufs, c'est gagné. Donc on ne fait pas de préventif, on ne fait que du curatif. Par contre, dans la plante OGM, elle produit tout le temps que l'insecte soit là ou l'insecticide ou l'insecte ne soit pas là. Et on va nous dire, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Même si cette plante produit à l'hectare par ses racines qui vont diffuser l'insecticide dans le sol, 100 fois plus, 1000 fois plus d'insecticides que celui pulvérisé dans la méthode conventionnelle par l'agriculteur. Ce n'est pas grave puisque c'est un insecticide naturel produit par une bactérie du sol qui est la bactérie BT. Et en plus, c'est un insecticide qui est autorisé en agriculture biologique. Mais là, on nous ment. Et pourquoi on nous ment? Je vous l'avais promis, nous sommes à la fin de la conférence, la construction génétique artificielle. Le gène que nous avons mis dans le maïs n'est pas le gène naturel de la bactérie, mais un gène modifié. Et la protéine qu'il code est donc modifiée. Et la toxine CRI1AB, elle s'appelle comme ça, produite dans le maïs, n'est pas la même que celle produite par la bactérie du sol et autorisée en bio. Parce que d'abord, celle qui est produite par la bactérie est produite sous forme de cristaux. Celle qui est produite dans le maïs est sous forme soluble. Et donc, elle n'a pas les mêmes propriétés physico-chimiques. Et plusieurs chercheurs universitaires dans le monde ont publié depuis 2003 un certain nombre d'études en dehors de l'évaluation officielle de ce maïs qui était déjà autorisé à la culture sur la planète depuis plusieurs années, puisqu'il l'est depuis 1998. Eh bien, ils ont publié des articles qui montrent effectivement des études que cette toxine produite par le maïs a des effets, ou peut avoir des effets, sur les vers de terre, sur des coccinelles, sur des insectes aquatiques, sur des puces d'eau, sur des guêpes qui sont les amis du maïs, c'est-à-dire des guêpes qui mangent les œufs de pyrale, donc qui protègent le maïs des œufs de pyrale.
de la pyrale. Eh bien, ces guêpes sont victimes elles-mêmes de l'insecticide produit par le maïs, alors qu'en agriculture biologique, on n'a jamais vu de tels effets de l'insecticide utilisé. Donc vous voyez que si on n'a pas un minimum d'informations techniques, on se laisse facilement piéger par ce genre d'arguments. Puis bien sûr, le risque d'apparition d'insectes résistants, ça fait 10 ans qu'on le dit, et peut-être plus pour Gilles-Éric Serralini, ça fait 10 ans pour moi que je le dis dans les conférences. Si on a des plantes qui sont cultivées sur des énormes surfaces et qui représentent dans certaines régions géographiques 80% de la région géographique en termes de culture, comme le maïs Monsanto 810 aux États-Unis, et que ces énormes surfaces, comme dit Gilles-Éric, attirent les papillons comme des phares allumés dans la nuit, eh bien on va attirer les papillons, les décimer. Attirer les papillons, les décimer. Attirer les papillons, les décimer. Et qu'est-ce qu'il va rester ? Quelques insectes résistants qui sont naturellement résistants. Mais ce sont les seuls qui vont se reproduire. Et ce sont ceux qui vont prendre le dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment avec la chrysomèle aux États-Unis ? Eh bien, on a sélectionné des chrysomèles résistantes. C'est l'arroseur arrosé. Mais on a eu la même chose avec des insectes qui sont devenus résistants, avec du coton BT dans le sud des États-Unis. Et le problème de ces insectes, c'est qu'ils sont résistants à la protéine recombinante fabriquée par le maïs ou par le coton, mais ils sont aussi résistants à la version naturelle produite par la bactérie qu'on ne peut donc plus utiliser en agriculture biologique. Donc vous voyez à quel point tout ceci est important, et c'est un aspect important du risque environnemental avec les OGM. Ce n'est pas un risque qui se dilue avec le temps, mais qui se concentre avec le temps à cause de ces effets de sélection. Les plantes tolérantes aux herbicides, évidemment, on nous dit c'est pour mettre moins d'herbicides. Ceux qui nous ont vanté les mérites des herbicides pendant 30 ans nous disent aujourd'hui les herbicides c'est pas bien. On est content, on se dit vaut mieux tard que jamais. Sauf que la solution n'est pas les OGM, parce que quelqu'un qui cultive une plante tolérante à un herbicide, ce n'est pas pour mettre moins d'herbicides, c'est pour pouvoir le pulvériser sans la culture, sans risquer de tuer la plante d'intérêt. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, mais sur le continent américain, avec les énormes surfaces, ils y vont par hélicoptère ou par hydravion. Et plus ils mettent de Roundup, plus il faut en mettre, parce que plus le seuil de tolérance des mauvaises herbes, des dites mauvaises herbes, est élevé. Et pour le plus grand bonheur du semencier, qui en même temps qu'il vend la plante, vend l'herbicide, nous assistons à une augmentation considérable de la consommation de Roundup pulvérisé depuis que ces plantes existent. Donc on est totalement dans la démarche contraire. Les pollutions génétiques, je ne m'attarde pas, c'est le risque qu'une construction génétique artificielle que l'on a mis volontairement dans une plante se retrouve involontairement dans une autre ou dans un autre organisme. Il y a la pollution verticale. Verticale, c'est au sens des générations, c'est-à-dire des plantes parents aux plantes enfants, donc par le sexe des plantes, le pollen. Alors, il y a les dresseurs de pollen qui nous ont raconté pendant longtemps que le pollen s'arrêtait à 50 mètres comme le nuage de Tchernobyl s'arrête à la frontière franco-allemande. Évidemment, on sait qu'il n'en est rien. Et pour ce qui est du transfert horizontal, ce n'est pas par le sexe des plantes, ce n'est pas par le pollen, c'est par contact direct. Par exemple, des microbes, des bactéries ou des champignons microscopiques dans la rhizosphère, autour des racines de la plante. Lorsqu'on détruit la plante en fin de culture, on éclate les cellules qui vont libérer leurs chromosomes dans le sol. Et certains microbes ont des aptitudes à gober des bouts de gènes. Alors c'est des fréquences faibles et la probabilité qu'ils gobent le bout de gène qui correspond à la construction génétique artificielle, ça diminue encore la probabilité. Mais ce n'est pas un argument, parce que si un organisme récupère un gène étranger et que ça lui donne un avantage sélectif, n'oubliez pas que si on met ces gènes dans les plantes, c'est pour leur donner un avantage sélectif, eh bien cet organisme va pouvoir très vite proliférer sur ses congénères et sur les autres organismes avec lesquels il partage cette même niche écologique. Encore une fois, l'effet de sélection, un événement rare aujourd'hui, peut devenir majoritaire demain. Et puis, il n'y a pas que le pollen, il y a les repousses. Bien sûr, on n'a pas les mêmes repousses avec du colza où ça survit pendant 20 ans dans le sol qu'avec du maïs, mais il y a des repousses aussi avec le maïs, ça existe. Il y a le transport de graines par les oiseaux et par les rongeurs qui ne s'arrêtent pas non plus à la clôture du voisin. Vous avez les pertes des semences lors des récoltes qui tombent des remorques des tracteurs, qui tombent des camions, qui vont se retrouver sous les bottes des agriculteurs, sous les roues des tracteurs, sous les roues des camions. Ça va donc être disséminé très très loin. Et puis, vous avez bien sûr l'erreur humaine, les contaminations croisées dans les silos, etc., etc. Bref, la coexistence est une vue de l'esprit. Quand on nous dit « nous sommes dans des pays libres », que ceux qui veulent faire des OGM en fassent et que ceux qui n'en veulent pas n'en fassent pas. Le problème, c'est que le droit des uns d'en faire, c'est l'absence de droit des autres de ne pas en faire.
Et voilà pourquoi, en tant que scientifique et en tant que citoyen, je prends un tel engagement et des telles positions, parce que je considère effectivement que tous ces OGM que l'on nous met dans les champs et dans les assiettes sont des organismes génétiquement monstrueux qui prennent les citoyens pour des cobayes, qui prennent la planète pour une paillasse de laboratoire. Et en tant que scientifique, je sais très bien que quand on est confronté à un sujet de recherche, la démarche consiste à mettre à plat toutes les alternatives, la transgénèse en est une, mais il y en a d'autres. Pour chacune d'elles, il faut regarder la faisabilité, les risques, et si les risques n'en valent pas la chandelle ou sont mal maîtrisés, ce qui est évidemment le cas avec la technologie OGM, qui est une technologie totalement aléatoire, eh bien se poser la question des alternatives, comment pourrions-nous arriver au même résultat en minimisant ou en court-circuitant ces risques. Et si on se posait systématiquement cette question, on se rendrait compte que faire appel aux OGM pour résoudre des problèmes agricoles, c'est déplacer une grue pour soulever un grain de sable, parce que les alternatives, elles existent. Elles existent à travers la diversité des ressources génétiques qui ont été obtenues par les paysans qui sont les premiers généticiens du monde. Et elles existent à travers la diversité des pratiques culturales. Simplement, pour s'en rendre compte, faut-il encore que les scientifiques daignent sortir de leur laboratoire pour aller rencontrer ceux-là même qui ont inventé l'agriculture, qui ne sont pas les chercheurs ni même les agronomes, mais qui sont les paysans. Et c'est en faisant cette démarche que l'on pourra progresser main dans la main ensemble. Ne faut pas confondre le progrès et le modernisme. Je suis fils de paysan, je sais à quel point le monde agricole a été ringardisé et à quel point le monde agricole, pour sortir de la ringardise, a tendance à saisir ce qu'il appelle le progrès, c'est-à-dire ce qui sort des laboratoires. Ça a été le NPK, azote, phosphore, potassium, les engrais chimiques. Aujourd'hui, c'est les OGM. Et je comprends que des agriculteurs aient peur de rater la marche du progrès en refusant les OGM. Mais il ne faut pas confondre progrès et modernisme. La bombe à neutrons, c'est peut-être moderne. Pour moi, ce n'est pas le progrès. Et n'est pas progrès que ce qui sort des laboratoires. Nous avons des tas d'alternatives qui sont le résultat des paysans et qui sont véritablement marche vers le progrès, parce que, encore une fois, les paysans font aussi des démarches scientifiques. La politique n'est pas réservée aux politiciens, la démarche scientifique n'est pas réservée aux scientifiques. Nous devons tous travailler main dans la main avec ceux qui savent pour éviter que l'on confisque l'outil du paysan pour lui vendre des technologies dont il n'a rien à faire. Je vous remercie.